Eh, regarde ça. Oh, ciseaux. Ça ressemble à comment ça s'appelle? Une bétonnière. Tu crois que c'est une bétonnière? En tout cas, c'est pas pareil que celle de base nature. Bah ouais, mais on dirait qu'on est presque au même endroit. Ah bah non, c'est pas le même endroit. Mais hé, ils fabriquent des petites maisons ici. Ah ouais, c'est vrai, c'est un peu comme à base nature. Ah ouais, puis il y a un camping. C'est pas mal, hein, c'est la nature, là. Nous, c'est on la dit, nature. Hein. Hein, on a été là, dans la nature, à base nature, Japon. Voilà. Exactement. Oh ben. Mais ce qui est encore mieux, il paraît, c'est qu'en plus, ils se sont fait inviter. Ah, oh, c'est gentil, ça. C'est sympa. Oh, ben, on va aller voir comment c'est, alors. Vous venez, les petits amis. On va rentrer un petit peu dans la base nature Japon. Waouh, il y a des aigles là-haut qui volent. T'as vu les aigles? Oh, ouais. Ah, y en a tout le temps ici au Japon. T'as tout le temps des grands rapaces qui volent partout. C'est eux qui nettoient tout. Oh, regarde les petites maisons. C'est vrai qu'ils construisent des petites maisons, alors? Mais regarde, ils ont mis leur vélo là, même. Ah oui? Ah bah, ils sont bien, là. Ah, mais c'est comme à base nature aussi. Y a plein de petits trucs. On va aller voir ça. Oh, regarde, il y a un petit chemin. Si on prenait le petit chemin, là. Allez, on y va. Ok. Oh, ouais. C'est mieux qu'à base nature, parce que les oignons, ils sont très gros. Oh, puis, ils ont vraiment plein de choses dans leur potager, eux. Peut-être qu'ils aiment pas aussi avoir des escargots aussi qui se trimballent sur leurs plantes, hein. C'est peut-être pour ça que c'est mieux, hein. Ouais, parce que peut-être ils y travaillent bien, hein. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'à base nature, on travaille pas bien? C'est pas ça, mais ils ont pas le temps. Ah, ils ont pas le temps d'avoir un beau jardin. Ouais, mais on s'en moque parce que y a Harald et Cécile, ils en font un beau. Et moi, des fois, je pars de mon vélo et j'y vais. Mais j'espère qu'il me voient pas parce que Harald, il aime pas que je mange des salades à lui. Alors il met un filet, mais moi, je suis malin. Ah. Ouais, enfin, elles sont tellement grosses, les salades d'Harald, que de toute façon, tu peux pas en manger beaucoup. Ouais, bah, c'est quand même bien d'en manger, hein. En plus, elles sont écologiques. Elles sont bio. Ouais, dis donc, ouais. C'est vrai, c'est pareil. Il y a même l'emplacement comme le chapiteau. Ouais, ah, c'est pas les mêmes oiseaux, hein. Pas les mêmes arbres non plus. Enfin bon, il y a des gens qui aiment la nature ici aussi. Voilà, et puis qui accueillent des gens. Et puis quand ils sont passés en vélo, eh ben, je les ai entendus, ils ont dit, bah, pourquoi vous venez pas chez nous? Hein? Ben ouais, hein. C'est vrai que c'est pas mal quand même, hein. Ouais, c'est pas mal. Dis donc, ce grand arbre-là, il est vraiment très grand, hein. Il est beau. Ouais, ben moi, j'y monte pas en haut parce qu'il y a plein de chenilles partout. Et j'aime pas les chenilles, ça pique. Ok? Ok. Bon. Eh, tu sais quoi? Ici, il y a une légende, pareil qu'à base nature. Il paraît qu'il y a un dragon qui est venu. Et que le dragon, il est en dessous. Tu veux que je te fasse voir où est-ce qu'il est, le dragon? Ouais, vas-y. Eh ben ouais, ben, je peux te l'expliquer, la légende, parce que je l'ai entendu, il a dit, la légende. Oh, dis donc, regarde ce qu'il y a ici. Il y a des belles chenilles. Où ça donne des beaux papillons. Ah oui, ça y est. Ouh, mais elle se confond bien, dis donc. Ah bah c'est vrai, il faut la regarder, hein. Vous avez du mal à la voir, les petits amis. Bah, elle était cachée. Voilà. Il y en a une ici. Oh, regarde là-bas, il y en a une autre. Désolé. Je sais pas si c'est la même, en tout cas, c'est pas la même couleur. Attention, on va la regarder. Oh, elle mange. Elle mange. Tu sais, c'est ce qui a inspiré les dragons, des fois, hein. C'est un peu une grosse tête, hein, une chenille, hein. Ah ouais, c'est drôle, hein. Ah ouais, hein. Regarde. Oh. Ah bah elle cherche une autre branche pour manger, et puis après elle va faire un cocon. Et qu'est-ce qui va sortir du cocon, tu sais, toi? Un papillon. Voilà, penser des choses. Oh, et celle qui est là-bas avec les grands poils? Avec les grands poils, où ça? En tout cas, la feuille, elle est bien mangée, je sais pas où elle est. Ah oui, ça y est, je la vois. Ah bah dis donc, il y en a encore une, là. Vous la voyez, les petits amis? Regardez celle-là, comment elle est. Ah, là, ça doit être des poils qui piquent un peu. Faut elle n'a pas envie de s'approcher, hein. Ouais, bah, faut les laisser tranquilles, mais regarde. Elle va faire un beau papillon aussi. En attendant, elles font des trous dans les plantes, hein. Ouh là là, puis même les arbres, il n'y a plus de feuilles. Bon, bah, écoutez, si vous en voyez d'autres, vous nous le dites, hein.
je vous fais un petit film pour voir si on en voit d'autres, parce que des fois, oh, on voit le trou qu'elle a mangé. Oh bah oui, elle se déplace avec sa tête. On dirait un peu un gros dragon chinois. Tu trouves pas qu'on dirait un dragon chinois? Ouais, un peu, c'est vrai. Et tu nous la racontes, l'histoire du dragon? Ouais, attends, parce que là, le dragon, il est en train de partir. Eh ben, il y a une légende qui dit qu'ici, il y a un gros, gros dragon qui est venu. Mais ce qu'il y a de mirant, ce qu'il y a de bizarre, c'est que ce dragon-là, il est venu par la mer. Et moi, je sais qu'il y a une légende aussi qui dit qu'à base nature, il y a un gros dragon aussi. Pourquoi il y a des dragons partout? Ben moi j'ai entendu dire que il paraît que c'est des endroits où il y a des bonnes énergies. Des énergies électriques? Mais non. Des énergies comment? Des énergies qui donnent. Ah, comme l'éolienne, tu veux dire? Des choses. Tu veux dire les énergies comme les éoliennes? Bah oui, par exemple. Ah bon? Eh ben regarde, elle a une drôle de tête celle-là. J'espère que vous me ferez des petits dessins, puis vous me l'enverrez. C'est moi, j'aime les dessins des chenilles. On la laisse tranquille, hein? Allez, on la laisse tranquille. Elle est magnifique.